Bonjour YouTube, parlons Great Reset, parlons Alien, parlons Pyramide. On est en train d'en parler dans le début de live. Alors on parle de Great Reset. Ah oui, pour les gens qui vont arriver là sur le live et sur la VOD, ils vont être en mode mais de quoi ils parlent? Oui, parce qu'en fait effectivement, si vous voulez, on a découvert parce que voilà, j'ai décidé, moi qui aime l'histoire, j'ai décidé de tout arrêter parce qu'on a découvert en regardant des documentaires tout à l'heure que effectivement en réalité le monde ne tournait pas grâce, on va dire, aux civilisations qu'on a connues, mais grâce à sûrement des formes de vie extraterrestres qui nous ont permis d'être une civilisation aujourd'hui développée, et que très certainement que notre espèce est tellement différente des autres qu'elle ne peut pas être liée à la simple évolution de Darwin, et que sûrement notre espèce a été implémentée par une autre espèce. On pourrait dire mère qui viendrait, elle, d'une autre planète. Donc voilà, sachez-le, voilà, pour moi en tout cas, je pense qu'il faut qu'on se rende à l'évidence. Il faut qu'on se rende à l'évidence par rapport à ça, quoi. Le hold-up, ils en parlent beaucoup. Pendant un moment, je regardais pas mal Alien Theory, c'est apprendre avec des pincettes, mais c'est assez divertissant en ne connaissant pas l'histoire. Leurs propos paraissent crédibles, mais encore une fois, c'est des théories, il n'y a aucune preuve de quoi que ce soit, mais comme tu dis, il y a certainement une perte de savoir-faire. Là, le perte de savoir-faire, c'est sûr, enfin, évidemment. Bah évidemment qu'une époque à l'autre, on perd des savoir-faire, il suffit juste de voir à notre... Oh là. Il suffit juste de voir à notre époque des savoir-faire parce que les besoins... Oh non, encore... Non, arrêtez. Oh le bâtard. Il m'a fumé, bâtard. Ah, on joue à Atomic Heart, messieurs, dames. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ils augmentent la portée de leurs capteurs. Vous les avez énervés, Major. Dégage. Putain, mais il y a un plein de cam, c'est insupportable. Ah ouais. Donc, ouais, Alien Theory, c'est très drôle quand tu connais l'histoire. Bah, en fait, le truc, c'est qu'Alien Theory, ils sont... c'est des théories, quoi. Donc, forcément, tu te dis, mais les gars, mais... Putain de merde. Mais d'où ils viennent? Un robot de type... Tu te dis, bon, enfin, s'il vous plaît, quoi, essayez d'être un peu... Putain, c'est tellement relou, ça. Oh là là, le bordel. Oh là, mais ils sont tellement. Ils m'attaquent. Je suis en train de fumer toutes mes balles de... Ok. Je suis en train de niquer toutes mes balles. Oh là là. Bon, messieurs, dames. Messieurs, dames, on joue à Atomic Heart. Donc, Atomic Heart, qui est un jeu qui se déroule dans une sorte d'Uchronie où l'Union soviétique serait devenue... on va dire un pays dominant dans le monde après la Seconde Guerre mondiale. On est dans les années 50, il me semble, en 1955. Et voilà, l'URSS a découvert une nouvelle technologie leur permettant d'être la nation dominante dans le monde, que ce soit pour la recherche... Oh là là. Que ce soit pour la recherche de robots, le système social, etc. Donc, qui doit répondre à l'idéal soviétique. Le problème étant que, eh bien, les robots ont décidé de péter un plomb. Et donc, nous sommes commandités par l'URSS pour essayer de résoudre le problème de pourquoi est-ce que la société socialiste... pourquoi est-ce que la société socialiste idéale semble être mise à mal par ces nouvelles technologies. Voilà. C'est une sorte de Bioshock un peu sauce soviétique, quoi. Dans l'idée. Oh mais on a pris cher là. Hein. J'ai niqué toutes mes balles. Et donc on a mis le jeu en difficile parce que vraiment le jeu est pas simple. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah, au secours, au secours! Et ça, c'est des bêtes. Oh là là, ils ont des lasers, regardez. Oh non. Mais les lasers. Ouh, j'adore les lasers. Oh, est-ce que vous aimez les lasers, vous, ou pas? Puis de penser à la perte de la bibliothèque d'Alexandrie, on a bien dû perdre des connaissances et savoir-faire. Il suffit juste de voir notre époque, tous les métiers qui sont plus utiles parce que telle ou telle raison... Ouais, il y a ça aussi. Puis il y a aussi parfois le fait que nos sociétés se disent qu'elles n'ont pas les moyens de faire face à telle ou telle situation. Par exemple, on sait que il y a des villes néolithiques qui se sont défaits parce qu'ils sont en mode ben non, on est nombreux, on est des milliers, sauf que ben il y a trop de... On a trop de problèmes de... Waouh, il lance des grenades! Parce qu'il y avait trop de problèmes d'épidémie, etc. dans les villes en Mésopotamie, du coup ils se sont dit ben il faut qu'on s'en aille, il faut qu'on aille ailleurs. Et pourquoi je disais ça? Mais c'est le début de VOD, chaotique! Mais il y a trop d'ennemis, c'est abusé.
C'est un con de mime. Oh, barrons-nous. Au secours! Au secours! Ah, il faut avancer, hein, c'est bon. Voilà, mais ils sont trop nombreux. Je lag. Je lag dans un jeu solo, pourquoi? Quels autres robots du site sont dangereux? Tous, j'imagine. Voilà, 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 je me suis fait attraper. Je me suis fait attraper. Pourquoi? Moi, y a quelqu'un ici. Si on avance, quoi. Hein. Merci pour l'info. On y va, quoi. L'écosystème utilise des verrouilles, des verrouillages clic A pour contrôler l'accès à la zone d'importance. Seule la caméra Packerette peut interagir avec le verrou. Un administrateur peut se connecter avec à les caméras par le biais de l'interface auxiliaire Violan la plus proche. Du coup, je suis capté là. Il faudrait que j'arrive à l'ouvrir. Au secours! Au secours! Il y en a un qui balance des grenades là-bas. Au secours! Mais c'est catastrophique! En plus, ça fait 3 jours que j'ai pas joué. Du coup, je me dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Ah non, et ça, c'est. Mais je vais me faire niquer. Oh là là, mais. Oh le bordel! Voilà, barrez-vous, con de mime. La 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 la. Il me court après, il me court après. Au secours, au secours. Au secours. Attends, il faut que je prenne ma hache. Allez, venez les cons. Attendez, je mets du truc au sol et après un peu d'électricité. Voilà, venez maintenant. Je suis un forcené. Vous voulez venir me chercher? Monsieur, s'il vous plaît, il faut sortir, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, c'est la police. Non, venez me chercher. Je suis un forcené, j'ai rien à foutre, d'accord? J'ai plus rien à perdre. Appelez le GIGN, s'il vous plaît. Appelez le GI, s'il vous plaît. On bat les couilles, d'accord? Est-ce que je peux m'enfuir par le toit, peut-être? Je peux m'enfuir par le toit comme Fantomas? Non, mais non, parce qu'il faut que j'aille sur le toit. Oh, ouais, c'est le bar. C'est le fly bar de. du Futuroscope! Sauf qu'on est en 1955. Dinguerie! Mais ta gueule! Oh la lame! Oh là là, regarde! Je me fais attaquer par un poulet avec une lame de. Oh y'a Kung Fu Panda. Alors vous venez ou pas? Est-ce que je peux le. Oh, il me lance des lames! Oh la dingue! Oh là là! La lourdeur! Je peux pas remonter. Au secours, je suis bloqué. Ils montent pas les escaliers, de toute façon, ils sont trop cons. Ils peuvent pas monter les escaliers. Oh, les débiles. Il meurt quand, lui? Au secours. C'est compliqué, le jeu, hein. Mais ils meurent quand les autres là? C'est insupportable. Oh, y a le laser là, mais, oh, mais comment est-ce que je vais faire? Wow! Oh, mais c'est trop dur! Merci beaucoup, Tikiz, merci City pour le Prime, merci beaucoup! Oh, je suis concentré, c'est trop dur! C'est trop dur le jeu! Abusé! Putain, comment on fait? Là, je me fais poursuivre par des mecs avec des moustaches et qui sont chauves. Des mecs qui ont des moustaches et qui sont chauves. Est-ce que j'ai des amis qui ont moustaches? Bah, il y a Cyrus North. Je me fais poursuivre par des cosplays de Cyrus North. Oh, ça prend depuis le début. Ah, dingue. Les informations recueillies par ces caméras sont directement envoyées au Foco, le centre de contrôle aérien des robots. Ok. Et donc,
Qu'est-ce que le faucon fera si je suis filmé? Si vous vous faites repérer, le faucon déclenchera l'alerte de niveau 1. Et la plupart des robots convergeront sur votre position. Il y a trop d'ennemis, c'est abusé. Si vous voyez attaquer un robot, l'alerte de niveau 2 sera déclenchée. Et le faucon enverra davantage de troupes. Trop d'ennemis. Oh, le tournesol. Ça, c'est les plantes du soleil. Tournesol. Comment connaître le niveau d'alerte actuel? Votre rétine polymérique est équipée d'un indicateur d'alerte. Bien sûr, notre rétine polymérique, bien sûr. Quels autres robots du site sont dangereux? Tous, j'imagine. À part les Tereshkova, qui fonctionnent de manière autonome. Il faut que j'inverse bleu. Ne sont pas reliés au réseau. Ainsi, la centrale infiltrée par Petrov n'a pas accès aux Tereshkova. Moi, il y a quelqu'un ici qui cherche pas à me tuer. Merci pour l'info. Oh, c'est compliqué ça. Hein. Ah ouais, c'est... On n'est pas dans la bonne position du tout. Ça ne va pas du tout. T'as récupéré des balles. Tes balles, oui, parce que je suis mort du coup. Oh là là, mais il faudrait que j'inverse les deux là. Faudrait que j'inverse les deux quoi. À tâtons, on peut y aller à tâtons un peu, mais. Là, il faudrait que j'inverse jaune et rouge. Oh la chance. Ouf. C'est bon. Let's go. Bonjour. Nique-toi le blanc. Oh les meufs. Au secours. Voilà, dans ta gueule. Dans sa gueule. Cosplay de Cyrus North, ça. C'est moi, je suis ton parapote avec ma grosse hache à mettre dans ta gueule. Mécanisme d'anticitaire pas facile. Ouais, c'est le mécanisme d'anticitaire. C'est un ordinateur analogique. Non, mais d'accord, mais l'abus. C'est pas tout à fait un... C'est pas tout à fait un truc analogique. Pas tout à fait le délire, quoi. Pourquoi je me fais attaquer? Wow! C'est quoi ce truc? Oh, putain, encore les poulets, les poulets tu... Je me casse. J'suis pas de niveau. Portail a été verrouillé par le système de sécurité. Il nous faut y accéder. Et le seul moyen d'y parvenir est en se connectant aux caméras de sécurité. Hélas, il existe un programme de diagnostic spécifique, le CDS2 Volan, que je peux utiliser pour me connecter aux caméras. Il pourrait également avoir d'autres utilités. Espérons qu'il y en a un exemplaire par ici. D'après les données pour monter là-haut. Il y a un appareil ayant cette désignation dans ce village. Okay. Je détecte son signal. Utilisez le scanner. Ciao les bouffes. Je trouve qu'il y a un ennemi en haut. Hein. Faisons attention. C'est bon, on est tranquille. Par triangulation. Accès refusé. Veuillez fournir un code autorisé. Alors, où est le feu, mon gars? Mamie, c'est vous? T'as pas oublié la vieille mamizina, hein? Bien. Okay. Comment ça se passe pour toi au complexe Vavilov? Comment tu trouves le buisson tout mignon qu'ils ont là-bas? Votre buisson tout mignon a failli me tuer. J'ai eu toutes les peines du monde à m'en sortir. Et là, je me retrouve avec cette saleté de Volan. Un petit conseil, mon gars. T'as besoin de plus gros flingues.
Quand tu les auras, tu pourras tout dégommer sans te fatiguer. Je sais, mais pas semble d'en trouver dans le coin. Passe par ma cabane, je te refilerai un plan. Et je peux t'aider à pirater ce Volan. J'ai les codes nécessaires. Ah, bah, file. Faut juste que je les retrouve. File, file, file. Votre cabane. Je serai une piètre Baba Yaga sans cabane perchée sur des pattes de poulet. Il y en a pas deux comme vous, Mamizina. Ok, je vais passer chez vous. Elle est où, votre cabane? Tu vois le champ au sommet de la colline quand on suit la route depuis la tour? Va là-bas et attends-moi, je serai pas longue. Là-bas, là? Ah non, par là-bas, c'est à droite, pardon. Effectivement. Ah, du coup, on doit redescendre. Très bien, allons-y. Écoute, Ivan. On y va, on y va. Le retour du frigo d'info. Mais oui, mais c'est le frigo d'info. Je te jure. Il fait peur, hein, le frigo d'info. C'est celui du lac Aniva. Ça me fait un peu peur, moi, le frigo d'info. Je dis que ce mec te fait sentir seul. Je veux dire, je suis là à la station avec un village plein de gens sympas et le complexe Ravilov. Et lui, allez, on se casse. Vite, 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 vite. Avec le phare. T'imagines? Au secours. Jusque-là, il vivait au bord de la mer et il envoyait des signaux au navire. Et maintenant, il est là. Oh là, ça, c'est un bel outil. C'est plutôt triste, non? C'est une tourneur, ça, je reconnais ça. Je me disais, tu pourrais peut-être communiquer avec lui, toi aussi, non? Allez, bon cas en tout cas. Baba Yaga? Ah, y'a rien qui marche. Fonctionne pas, c'est cassé. C'est cassé. Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là, 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 oh là. Fini, on est mort. Tu vas me lâcher, saleté! On est mort, hein. Je vous le dis. Fini, topi! Non, je vais le combattre, c'est pas vrai. Ah, si on devait le combattre pour de vrai, c'était fini, hein, je vous le dis. Ah, on était mort, on était... C'était fini pour nous. Ah, pas trop tôt. Ce putain de robot a failli me tuer. Pas mal, le mobilhome dépliable. Merci du coup de main, Mamizina. Alors, ils sont où vos gros calibres? Je vais en avoir besoin. Entre donc, j'ai fait du thé. Oh non, 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 pas le frigo d'info, non. Non, pas le frigo d'info, non, s'il vous plaît. Non, je n'y crois pas. Non, pas le frigo d'info, je l'ai vu. La bouilloire est chaude, sers-toi. Merci. Sympa la télé. Il passe quoi? Des dessins animés. Assieds-toi et regarde. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait Emmanuel Macron sur la photo. Cette chaîne 9 passe à la télé. Je veux que tu regardes attentivement. Du site 3826. Des dysfonctionnements ont déjà été corrigés, camarade Molotov. Tout est revenu à la normale. Il n'y a plus à s'inquiéter. Corrigé ou pas, nos chers amis américains risquent d'entendre parler de cet incident inqualifiable. Molotov, réalisez-vous ce que ça signifierait pour nous. Un scandale international. C'est le ministre des Affaires étrangères de Staline pendant la Seconde Guerre mondiale? J'en suis parfaitement conscient. Vraiment? Notre projet Cœur de l'Atome est en péril. Mon projet. Wow. Un projet que j'ai lancé avant le début de cette fichue guerre. Un projet qu'à l'époque, vous avez tous tourné en dérision. Combien de millions de citoyens soviétiques sont morts au cours de cette boucherie? On parle de la Seconde Guerre mondiale, là, je crois. J'avais juré que le monde ne connaîtrait plus jamais ça. Eh bien, je me réjouis que les vies humaines vous apportent davantage que vos joujoux mécaniques, camarade Setchenov. Toutefois, cela ne change rien au fait que les sanctions occidentales sont lentement en train de nous étouffer. Les vies humaines m'importent plus que tout, camarade Molotov. L'ère de l'exploitation capitaliste arrive à son terme et bientôt... La classe ouvrière occidentale va briser le joug de l'oppression. Je ne comprends mes responsabilités que trop bien, camarade Molotov. La polymérisation de toute la population soviétique, le lancement du réseau neuronal collectif, le projet cœur de l'atome... Mais enfin, quelle responsabilité, camarade Setchenov ? Êtes-vous capable de réaliser que si les Américains découvrent que vos robots peuvent passer en mode combat, votre projet sera tué dans l'œuf? Et ça, je vous le garantis!
ils ne le découvriront pas. Je vous le répète, tous les dysfonctionnements ont été réglés. Camarade Sechenov, certains au Politburo acceptent peut-être de vous croire en tant que membre éminent de l'Académie des sciences. Mais je crains que votre parole ne me suffise pas du tout. Aïe. Que voulez-vous dire par là ? Oh là. Faites un plan, lui. Qu'est-ce qu'il décide de faire, quoi ? Oh la dingue ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Le Politburo a pris une décision. Il me nomme à la tête d'une commission spéciale visant à enquêter sur vos dysfonctionnements. Aïe. Nous serons dans vos locaux tout à l'heure. Est-ce que je me suis bien fait comprendre, camarade Sechenov ? Waouh, il est mis sous tutelle, terrible. Ma foi, camarade Molotov, si le parti considère cela nécessaire. Bordel de merde, Zina. Comment avez-vous fait pour accéder à ça ? C'est une connexion directe ? J'ai des yeux et des oreilles un peu partout, mon joli. T'occupe pas de ça, de toute façon, ça ne te regarde pas. De plus, tu as du pain sur la planche. Qu'on a regardé alors ? Le Gret a annoncé sa démission. Let's go ! Le Gret a démissionné ! Yes ! Allez, ça dégage. Ça dégage, le vieux. J'ai un petit cadeau pour toi, là, dans le coin. Tu sais utiliser les codes Volan, j'espère. Et prends aussi ces plans et apporte-les à ma borne de réparation. Elle ne meurt pas. Autorisé. Contrairement à ta copine. Hein ? Ma copine ? Ma copine, pas ma copine. Merci, madame. Vous êtes un ange. Oh, on a pas de... Il nous manque des... Oh, le Dominator, ça aurait été bien. On a peu d'armes, quand même, là. En fait, il nous manque quand même des... Pour avoir d'autres armes, ce serait cool si on avait plus de... C'est quoi, du coup ? Il faut qu'on aille... Ok. Ça, il faut que j'en récupère sur les... parties métalliques. Ouais, il faudrait que j'aille en farmer un petit peu. En tout cas, vous êtes pas banal, vous. Vraiment ? Tu m'as l'air un peu secoué, mon gars. Sans déconner, entre votre maison volante et l'ordi quantique au plafond, évidemment que je suis secoué. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. Ta mémoire, c'est une vraie passoire, pas vrai ? Depuis que j'ai été blessé, j'ai quelques absences, c'est vrai. Mais quelqu'un comme vous, je m'en souviendrai, c'est sûr. Quelques absences, hein ? Bon, dis, t'avais pas quelque chose de très important à faire, toi ? Oui. Bon, merci Mamizina. Elle est adorable. J'adore par ici. Elle est juste après le village. En prenant la route, tu peux pas la manquer. Et n'oublie pas de surveiller le ciel, ok ? Merci, Mamizina. Vous êtes vraiment maligne. Comment vous avez survécu, c'est vrai, Parfait, ça ? Comment vous avez survécu ? Je ne vis pas. Je suis morte. Hein ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais c'est quoi cette question débile ? Non mais, il faut que je te cogne la caboche à coups de louche ou quoi ? J'ai été entraînée à survivre. Et c'est ce que je fais. D'accord. Très bien, madame. En tout cas, c'est une drôle de bestiole. C'est vrai, le poulet, là. En tout cas, vous avez une drôle de bestiole. Le poulet avec l'air. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ? Je fais un thé un peu spécial, ça, je te l'accorde. Mais ça, c'est un bon vieux poulet, tout ce qu'il y a de plus normal. Quoi ? Oh, je plaisante. On est aussi 38-26, c'est un peu comme l'Eldorado, tu vois. T'avais encore jamais vu de poulet en kit, ou quoi ? Ah non, bah non, clairement pas. Pas que je sache. En fait, je savais même pas que ça existait. Eh ben vas-y, jette un coup d'œil. Bon. Faut que j'y aille, moi. Allez, ciao. Alors, vas-y, mon joli. Oh, j'avais presque oublié. Tu n'aurais pas trouvé une paire de bagues, par hasard ? Une paire en or, dans une boîte marquée site 3826. Des bagues dans une boîte ? Ah, non, désolé, Mamizina. J'avais un peu la tête dans le guidon. Oh non, on a raté un truc ? Bon, alors, Phil, amuse-toi bien au VDNH. Ah, ça on aurait peut-être dû trouver quelque chose. Merci encore pour le coup de main. Attends. Tu vas voir Stockhausen, pas vrai ? Mais comment vous savez ça, vous ? C'est mon petit doigt. Va donc dire à ce sale enfoiré de Bosch qu'on n'en serait pas là s'il avait pas compté Fleurette à la femme d'un autre. Sérieux ? Je comprends rien à ce que vous me dites. S'il avait compté Fleurette, s'il avait été dragué, s'il avait dragué. C'est trop loin d'aller à la gare à pied. Voilà. J'ai eu peur. Bah, je peux ouvrir ici. Munitions de PM. Les PM, je peux Merci même pas en faire, ça qui est terrible. Je peux même pas en faire, ma PM, ça aurait été lourd d'en avoir, mais je manque de... J'en ai que 35, il m'en faut 74. Il faudrait que j'aille farmer des monstres un petit peu. C'est ça le truc.
Ouvrir les portes du village, ok. Voilà. Est-ce que je peux le looter ou pas? Ah si. Ça me rapporte 3 parties métalliques. Ah ouais. Il m'en faut beaucoup plus. Moi, je vais déjà aller ouvrir là. Je vais déjà faire ça. Ça sera déjà une bonne chose de fait. Merci beaucoup Floki. Merci pour le 8e mois d'abonnement. Merci. Merci beaucoup. Ce jeu n'est pas autorisé en Russie. Je crois pas qu'il le soit pas. Enfin, je n'en sais rien en vrai. Pas vous cacher que je n'en ai aucune idée. On est enfin dans le système. Le volant est une interface auxiliaire entre l'écosystème reste robotique à et la personnel. Bonne caméra. Ah, j'en ai une. Vous avez des données télémétriques, Charles? Je suis connecté. Ok, donc on peut scanner un peu les alentours avec les caméras. On peut même zoomer. Ok. Caméra active 12 sur 35, ok. Donc nous on est là-haut là. Ok. Puis-je me permettre de vous rappeler que la priorité c'est d'atteindre le VDMH? Si on n'ouvre pas cette porte, on n'y arrivera jamais. Putain de méchoui, j'avais complètement putain oublié. Putain de méchoui. Attends, le VDNH, mais il est par où, attendez. Parce que la porte du VDNH, je l'ai... Allez, ouvrons cette porte, ah, allez, ouvrons cette porte. Ok, let's go. C'est ça, ok. Let's go. C'est moi, ça ressemble un peu à Fallout. Bah, il y a du Fallout, il y a aussi un peu, selon moi, de Bioshock. Oui, c'est un jeu qui ressemble à... Il est hyper référencé, quoi. Bonjour. C'est un jeu très référencé, très clairement. Moi, je trouve qu'il ressemble beaucoup à... Beaucoup à... À Bioshock aussi, Fallout également. Dans la baraque. Voilà, et ça dégage. J'essaie de looter un petit peu aussi. L'ennemi vous a détecté. D'autres robots ne vont pas tarder à arriver. Aïe. Alors, on bouge alors. Faut que je bouge vite alors. Ça semble beaucoup à m'avoir détecté. Il est un peu bloqué là. Putain de merde. Mais d'où ils viennent? Un robot de type bourdon les apporte d'une usine proche. Wow, ils sont énormes. Dur, hein. Ils sont trop. Je me casse. Oh, il y a trop de monde. Oh, le bordel. Waouh. Ah, si tu te fais capter, c'est vraiment la merde, quoi. Putain de méchoui de bordel de merde. Ok. Ah là. Au secours. I'm stuck, bro. Putain de méchoui de barge de crotte de merde. Mais je fuis.
Ouais, j'arrive à trouver dans une cabane des soins, ce serait vraiment parfait. Parce que là, on n'est pas très bien. Tu joues en quelle difficulté? Je le trouve ignoble en difficulté max. Ah ouais, il est vraiment ignoble? Bah moi, je le trouve très dur en difficulté max hein, pour le jeu, pour le coup. Enfin, après, j'imagine qu'ils veulent challenger les joueurs, mais... Ah, c'est vrai qu'on galère vraiment beaucoup, quoi. C'est vrai qu'on galère pas mal sur le jeu, là. Bon, on meurt beaucoup, quoi. Ça, c'est clair. La difficulté est très mal dosée, yes. Ah ouais, à ce point-là? Pour le coup, c'est... Enfin, tu dois taper 8000 fois avec... Oh là. Si je tombe, je meurs, là, je pense. Pas mort, mais on n'est pas bien. Tant mieux, non, si vous plaignez tout le temps des jeux trop difficiles pour les gamers. Non, en vrai, après, tu peux quand même réussir à doser des jeux. Par exemple, je sais que... Par exemple, je sais que le début de... J'en avais parlé à Mister MV, il me disait que par exemple des jeux comme God of War étaient pas très bien dosés en termes de difficulté, notamment au début du jeu. Qu'après ça allait mieux, mais qu'en fait au début c'était très 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 difficile. Sur God of War, le premier du nom. Et qu'après ça allait mieux, mais du coup, des fois tu peux mal doser certains niveaux de difficulté, ouais. Seul lag, le jeu est vraiment référencé. Oui, très référencé comme je disais. Je laisserai référence. Mais du coup, ça, je peux pas trop les tuer pour aller les looter après, quoi. Parce que là, vraiment, on est en difficulté, quoi. Parce que, tu vois, on se fait capter direct et tout. Fink semble s'y perdre un peu plus de devoir mettre autant de... pour tuer un mob. En fait, c'est ça, j'ai l'impression de beaucoup devoir taper pour tuer un seul mob, quoi. Du coup, c'est pas... En fait, c'est pas qu'il tape fort. C'est que c'est des sacs à PV, quoi. Ouais, tu vois, oh, c'est... Ouais, tu vois, c'est ça qui est dur, quoi. Il conseille de faire le jeu en normal, puis monter en cauchemar. Ah ouais, ok. J'ai plus de heal. Je pouvais pas me heal. Je vais peut-être essayer de passer en normal, alors, pour voir. Peut-être passer en normal parce que c'est vrai que des fois t'es en mode bon. Pas gâcher le plaisir du jeu non plus quoi. Attends, je regarde. Là on est en apocalypse. C'est ça, c'est incident local, atome pacifique, apocalypse. Ouais, incident local. Oh, si ça change quelque chose. Pourquoi ils m'avaient pas. Pourquoi ils proposent pas des niveaux de difficulté? Bah ça peut être super dur hein, de proposer différents niveaux de difficulté en vrai. Parce que déjà c'est difficile de mettre des niveaux de difficulté de base dans le jeu, mais si tu laisses les joueurs les personnaliser. C'est vraiment compliqué parce que bah, ça peut être un niveau de difficulté, ça peut être des mécaniques de jeu, ça peut être... en fait, ça peut être tellement de choses. Ça peut être tellement de choses, des niveaux de difficulté, que ça peut être une mécanique que t'enlèves, ça peut être... ça peut être autre chose que simplement des PV, tu vois, la range des attaques, bah... En fait, si le joueur a trop de paramètres, il peut trop facilement faire ce qu'il veut, quoi. Waouh. Ok, parce que le truc c'est comme je peux pas trop les tuer, en plus je peux pas du coup trop les... Ah, il peut les réparer, mais non, sans déconner. Ouah, mais ils peuvent les réparer, la dinguerie. Mais non. Zings. Parce que du coup, comme je peux pas trop tuer les ennemis, je peux pas non plus les looter et tout, quoi. Je suis pas très fan de laisser les joueurs laisser leur niveau de difficulté. Le but, c'est quand même de jouer au challenge prévu par les devs. Après, je suis pour les options d'accessibilité qui font souvent la diff. Ouais, ça, je suis d'accord. Mais tu vois, je trouve que pour moi, le meilleur exemple... Voilà, mais des meilleurs exemples de difficulté dans... Wow.
respecter. Après, tu vois... Après, tu vois, je trouve que malgré tout... Mais ils sont relous, eux. Je trouve que malgré tout, ce qui peut être, ce que Elden Ring a très bien fait, c'est de pas pouvoir gérer vraiment le niveau de difficulté. Il me semble pas que dans Elden Ring tu puisses faire ça, mais en tout cas tu peux partir en coop avec quelqu'un si t'as besoin de d'aide sur par exemple un, je sais pas, un boss ou quoi. Tu peux gérer ça, et puis après tu peux repartir, tu peux te stuffer plus pour rendre ton combat plus facile. C'est trop bien. Merci beaucoup Alix, merci pour le 24e mois. Les 2 ans d'abonnement pour Alix, c'est incroyable. Mettez-moi des cerveaux dans le chat pour les 2 ans d'Alix. En fait, c'est ça, c'est que Elden Ring, ils arrivaient, je trouve, à bien jauger ce niveau de difficulté-là. Parce que moi, je pensais franchement qu'Elden Ring n'arriverait pas à avoir un très très gros succès populaire. Alors un succès de critique, ça c'est possible. Parce que, bah, par exemple, je pensais pas qu'ils arriveraient à sortir franchement de la niche de Dark Souls. Mais vu qu'ils ont mis ce monde ouvert qui permet de revenir... plus tard dans le jeu sur un boss, alors que t'as eu le temps de te stuffer et du coup de le OS, bah ça c'est vraiment bien. Alors que dans Dark Souls, t'es obligé de pleurer du sang pour battre un ennemi. Et enfin un boss. Et du coup, bah ce qui fait que des fois ça peut en dégoûter la plupart, quoi. C'est vrai qu'il y a un DLC d'Elden Ring qui a été annoncé ce matin, tout à fait. Tout à fait. J'ai vu. T'as fini Harry Potter. Ouais, on l'a saigné, Tom. On l'a saigné de ouf. Et c'était trop bien. Je me suis régalé sur Harry Potter. Je suis presque triste que ce soit fini. J'en suis triste que ce soit fini. On aurait pu faire le 100%. Ouais, je sais pas. Ouais. Attention, l'ennemi est en état d'alerte. Ah ouais? Quoi? Ah, putain, il y avait un ennemi. Okay. Il y avait une explosion là. Ouah, salaud. Ouais, mais il fait mal lui. Putain de merde, mais d'où ils viennent? Un robot de type bourdon les apporte d'une usine proche. Pas de courant, aïe aïe aïe. Même comme ça, c'est pas simple. Hein. J'ai vu le... Ah, ah, je suis bloqué. Ok, c'est bon. Même tu vois là, au final, il y a quand même du challenge. Hein. Là, je me casse parce que, vrai, il y a beaucoup, ils sont beaucoup. On est sous les caméras, donc on peut-être se battre ailleurs de sous les caméras. D'ailleurs, aurais-tu une liste de lectures, tes ouvrages d'histoire préférés que tu préférerais d'en faire un jour? Bah, j'aimerais bien faire une liste, mais ça fait très longtemps que j'en parle. Mais j'ai pas trouvé de... Il faudrait que je fasse un site avec les conseils lecture, avec plein de choses. J'aimerais bien faire ça un jour, ouais. Il faudrait que je fasse un site pour pouvoir avoir mes trucs de lecture, parce qu'en vrai, je lis pas mal en ce moment. Là, je suis en train de lire un bouquin trop bien de Olivier Rondeau sur la Wehrmacht, qui est hyper complet. Ça parle de... Ça s'appelle Les soldats d'Hitler et être soldat d'Hitler. Et franchement, c'est hyper intéressant. Mais c'est vrai que bah, il faudrait que j'ai une liste pour faire ça, quoi. Mais il faudrait que j'arrive à faire un site avec mes différentes lectures. Et je sais pas, on pourrait mettre même les podcasts que j'écoute, les documentaires que je recommande et tout. Il y aurait plein de choses à faire. Il faudrait que je fasse ça. Merci beaucoup. Attendez, je reviens juste. Je vais juste faire une petite pause bio. J'arrive.
Ouais, donc ouais, peut-être faire un site pour la lecture, ça serait vraiment trop bien. C'est vraiment trop bien. Le livre Europa de Jean-Georges Soutou est fort intéressant. Ah, j'ai pas vu du coup. Je n'ai pas vu. Moi, j'ai vu hier que Warner Bros. Veut faire d'autres films sur les Seigneurs des Anneaux avec Peter Jackson, serait peut-être sur le projet. La femme de Peter Fran Walsh était questionnée sur le sujet. Elle était vague, il n'y a pas eu de oui, de non. Hâte d'en savoir plus, j'étais trop content d'hier soir quand j'ai vu cette info. Ah, bah après, bon, bah, les derniers films de Peter Jackson sur la franchise, c'est quand même le Hobbit, quoi. Moi, j'ai pas tant que ça kiffé. Maintenant, bon, bah, à voir, quoi. Trop d'ennemis, c'est abusé. J'aurais dû les one-shot. J'essaie de tuer des ennemis pour les looter, en fait. Ah, il y a le... Oh là là. Mal, lui. Faut que je me casse. Je me heal un petit peu. Ok. Oh, il est touché. Je vais reculer un peu. Bah voilà. Matériaux synthétiques, neuropolymères, composants microélectriques, supraconducteurs, parties métalliques. Okay. Waouh! Voilà. Nickel. J'essaie de récupérer du matos. Thierry, dans un précédent live, tu avais parlé d'un livre sur les légions romaines qui représente le diagramme. C'était. Ah! Ouais, j'ai un trou. Il est là, il est derrière moi, derrière mon fond vert. Comment ça s'appelle ? Infographie de la romantique, merci beaucoup Bisounours, c'est exactement celui-là, c'est Infographie de la romantique. Merci beaucoup Léala, déjà 4 mois, merci beaucoup Léala, merci Adora, merci pour le 4e mois d'abonnement, un maximum de cerveau s'il vous plaît pour Léala dans le chat. Oui, c'est Infographie de la romantique, avec dirigé par John Scheid, qui est très bien. Qui est vraiment très chouette, donc c'est celui-là, il existe aussi sur le débarquement, si je ne dis pas de bêtises. Donc ouais, donc très bon bouquin. Et en fait, c'est des très bons cadeaux à faire en bouquin, je trouve, tu vois. Ça marche vraiment très bien. Non, dommage. Ok. Oh, le poulet sans tête. Même en normal, hein, s'il y a du challenge sur les ennemis quand même. Hein. Ouf. Tant mieux que ça challenge. Tant mieux, venez me chercher. Je peux pas looter. Ah, ça dégoûte. Hello, pressé de voir le JDR de dimanche. Oui, tout à fait, il y a JDR dimanche chez Geek Fabula. Ah, ça va être bien ça. Ça va être très bien. JDR dimanche. J'ai fait un jeu de rôle hier. Putain, mais en ce moment, je fais énormément de jeux de rôle. C'est trop bien. Là, je faisais un jeu de rôle. Qui était un... Comment dire ? En fait, parce que j'ai une campagne en ce moment sur... Wouah, le bâtard ! Je fais une campagne en ce moment dans l'univers Star Wars, comme je vous disais. Et hier, je faisais un jeu de rôle. On faisait un jeu de rôle, c'était un spin-off de notre campagne, parce qu'il y avait certains membres de l'équipe habituelle qui n'étaient pas là. Du coup, on a fait un spin-off de la campagne. Il est tombé ? Ok. On a fait un spin-off de la campagne hier. Notre maître du jeu, du coup, qui est mon frère, il nous fait des origin stories de nos personnages de la campagne dans des spin-offs quand tout le monde n'est pas dispo. Du coup, là, on était 3 membres habituels de l'équipage, il en manquait 2 et on a rajouté des personnages du coup qui sont différents de la campagne. Et on jouait donc dans un scénar où on était des membres des cartels des Huts et on devait...
de retrouver des membres rebelles, etc. Et moi, je jouais un personnage trop marrant. Je jouais un diplomate. Mais un diplomate qui parlait comme ça, qui en fait, je suis de petite taille. Oh non. Ok, c'est bon. Je suis une sorte de chaton, un peu de petite taille, qui fait 1m80, qui fait moins d'un mètre. Je parle comme ça tout le temps et pourtant je suis diplomate, hein, mais j'ai un peu de mal à m'exprimer. J'étais comme ça toute la soirée hier. C'est insupportable. J'espère qu'en tout cas vous nous aiderez, hein, parce que bah, c'est vrai qu'on aimerait bien rentrer en contact avec l'Alliance Rebelle, mais... Ouais, c'était très très drôle. Oh, bah, c'est beaucoup encore là. Wow. Et donc du coup on a bien rigolé. Je me casse, attendez. Et donc c'est... D'habitude je joue des persos un peu beau parleurs et tout, très... Enfin que j'aime bien avoir un peu charismatique. Un peu comme moi finalement, enfin, j'essaie de faire des persos qui collent un peu à ma personnalité initiale, quoi. Et du coup là jouer quelqu'un qui avait pas de charisme, ça me permettait de... Voilà quoi, de... De me sentir un peu plus comme le commun des mortels, quoi. Voilà, et donc là, un mec, voilà, j'étais en mode David. Du coup, je vous comprends un peu plus. Je vous comprends un peu plus dans. Enfin, voilà. Un peu comme nous. Oh, oui, voilà, ça, un peu comme le commun des mortels, c'est bien ce que je disais, ouais. Enfin, bref, vous entendez pas ce que je vous dis. Supportable. C'est gentil, bah de rien, écoutez, j'essaye. Hein. J'essaie d'être sympathique. J'essaie de vous être sympathique. Et donc le perso était... Je parlais comme ça, j'étais négociateur et en fait j'étais sous couverture. Je devais en fait travailler pour le cartel des autres, mais en fait je veux surtout rentrer en communication avec les résistants pour la rébellion. Enfin bref, c'était... C'est vraiment cool. Mais ouais, du coup, encore un jeu de rôle cette semaine. Là, je joue... Ah non. Attends, j'essaie de voir, est-ce que ça fonctionne? Non, c'est Q. Wow. Ah, il est... Ok, je l'ai one-shot, du coup. Ah, pourquoi je peux plus le... Ah. Ok, j'avais un bug. Je pouvais plus taper avec ma hache, j'étais en mode quoi? I'm stuck, bro. I'm stuck. Ok. Ah non, I'm stuck. Connard. Ok. Ah, voilà. Voilà, ça va nous faire du bien. Ça pour après pouvoir récupérer du matos de partout, là. Pour la création de nouvelles armes qui vont, je pense, nous mettre très, très, très bien par la suite. Parce que partie métallique, là, j'en prends plein, là. Ah, la petite... Bonjour. Oh là là, la petite... Putain, Cyrus North, là, s'il te plaît. Ok, let's go. Il fait Cyrus North encore. Comme la plaie de Pégu comme nous. Non, mais après, vous soyez pas trop dur avec vous-même. Soyez pas trop dur avec vous-même. Acceptez-vous comme vous êtes, hein. Oh là là, horrible personnage. Mais j'aurais pas dû le taper. Je suis trop bête. J'aurais dû aller le prendre en discret, là. Pote, il a rien capté. Nickel. Ok, parfait. J'ai hâte de retrouver le frigo d'info là pour pouvoir améliorer mes armes. Pouvoir tout gérer là. Mais d'ailleurs, c'est demain aussi que sort la nouvelle saison de The Mandalorian.
Oh là là, c'est demain là. Putain, ça y est, c'est la saison où tout s'enflamme là normalement. C'est la saison où tout s'enflamme. J'arrive jamais à les fumer, je sais pas comment faut faire. Pourtant même, je suis en normal. J'arrive pas à les one-shot les... Ok. Ah, Pedro, dans tous les... Non mais ça va être bien ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Normalement là, en vrai, c'est la saison de la maturité entre guillemets. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Oh, un noir. Un chauve noir. Et c'est les mini-boss. C'est ça, hein. Oui, attention. Là. Comment ça, c'était le... Non mais c'est la tenue. Je parlais de la tenue. non mais arrêtez. Non mais je parlais de la tenue. Vous savez très bien que je parlais de la tenue, n'abusez pas. Wow. Je me désolidarise de ce que dit Rive. Doucement. Bah oui, mais doucement, mais je parlais de la tenue. C'est vous qui avez des idées différentes, qui avez des idées cheloues là. Des balles de Kalachnikov, mais je n'ai pas de Kalachnikov, terrible. Allez à la gare, mais comment est-ce que j'y vais moi à la gare? Avec le bus. Ah, je suis énorme, je suis drôle. Avec le bus qui va à la gare, tu connais. Le problème, c'est qu'ils vont plus vite que moi quand je suis accroupi. Au secours. Fuyons. Par contre, il y a beaucoup de polémiques sur Hogwarts Legacy, mais on en parle, les polémiques de la Communic Art. En fait, ça a été debunk, hein, ça, pour le coup, Fagada. Je vais aller regarder, mais ça a été un peu debunk, réexpliqué. Il y a un très bon truc de Canard PC dessus. En vrai, je peux faire un Google Form pour la liste de tes livres. Ouais, mais en vrai, ce serait cool d'avoir un site un peu sympa où tu sais qui référence les bouquins et pas seulement, mais aussi sur comment dire, ça référence les bouquins et mais aussi tu sais qui, je sais pas, peut être un peu une plateforme pour les VOD, pour les pas mal de choses quoi, j'avoue. Parce que juste un Google Form, bon, c'est sympa, mais un truc un peu plus visuel, ce serait chouette. Mais oui, sinon, dans l'absolu, je pourrais faire un Google Form, tout à fait. Un site web, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ce que je dis. Mais c'est ça, mais bon, il faudrait voir. Après, là, j'essaie de prendre le temps de lire et tout en ce moment. Mais là, je suis sur un gros bouquin qui fait 700 pages, donc c'est... Pourtant, j'essaie d'apprendre à lire vite en ce moment. J'essaie d'augmenter ma vitesse de lecture, ça marche plutôt bien. J'essaie de moins subvocaliser et tout, mais bon, c'est... La lecture rapide, c'est pas encore ça, quoi. Je sais que j'ai des potes qui arrivent à lire, mais des bouquins... très gros bouquins en 3-4 jours, mais moi, j'avoue que ça me... C'est vraiment dur, hein, d'améliorer sa vitesse de lecture. J'ai un guide visuel déjà, genre je prends un stylo et ça m'aide à suivre les lignes. Mais... En vrai, c'est chaud, hein. Moi, j'ai un souci de concentration très compliqué pour moi de lire, malheureusement. Ouais, après, il faut essayer de se mettre... Ouais, moi aussi, tu vois, mais en fait, à force de lire, ta concentration va s'améliorer. Elle va s'aiguiser, même, je pourrais dire. Je pense que... Waouh, il m'a fait un chassé. Oh, il m'a taclé. Oh, j'ai pris un... Tu as lancé le patron de VOD avec des docu historiques, hype, mais non, j'ai pas dit ça. Oh, ce serait énorme, hein, mais t'imagines une plateforme de VOD avec que des docu. Avec les meilleurs docu histoires. Voilà, pour avoir tous les droits, c'est un bordel.
attendez. J'entends, okay, j'entends des voix. J'entends une voix. Monter ici. Un survivant. Je ne pensais pas tomber sur quelqu'un. Écoutez, vous devez fuir cet endroit. Je veux bien, mais qui va nettoyer tout ça si je m'en vais ? J'entends des voix. Non, j'entendais des sirènes. J'ai encore des choses à faire ici. Ouais, c'est exactement ce qu'on s'est tous dit en attendant le train. Très bien, j'espère que vous aurez plus de chance. Ça me dégoûte un peu les fils qui sortent du cerveau comme ça. Ok, super. C'est que les implants nous parlent comme ça me dégoûte un petit peu. Mais qui nous menace comme ça? Qui nous parle? Qui parle mal? En parlant de docu-histoire, c'est très connu, mais les séries Apocalypse, c'est une pure masterclass. On a déjà parlé juste avant Pastèque. On en a parlé ce matin. Donc, effectivement, on a dit que c'était une masterclass. Tout pareil que toi. Ah, enfin, c'est une masterclass qui a des petits défauts, mais... Le train est à quai. Mais c'était bien pour s'initier, quoi. Et c'est parti. Voilà, Parlez pas de malheur. Si ça continue, on va trouver un voilà. Verre de voilà, ça dégage. Aujourd'hui, je fête deux choses. Ma fête et mes 1 an de modération. Alors, merci pour ces 1 an. Mais non, le 1 an de modération de Allez les Verts. Incroyable. Oh non, le noir. Ça, c'est les méchants, ils sont relous. Hein. Putain, j'ai par contre, c'est fusil à pompe, les balles de fusil à pompe. Bon anniversaire, Allez les Verts. Oh, relou, lui. Oh, il me fume. Il me fume les escaliers ou pas? Meilleure protection du jeu, les escaliers. Bon anniversaire à Allez les Verts, évidemment. Bravo. D'être resté ici 1 an. Merci beaucoup, Cyril. Merci pour le Prime. Oh là là, ça a réveillé son Prime. N'hésitez pas, messieurs, dames, à réveiller vos Primes. N'hésitez pas, c'est important. Il faut réveiller son Prime. N'hésitez pas, bien sûr. Il faut claquer ses Primes. Il faut les réveiller. On fait s'abonner gratuitement. Hop, utiliser Prime. Et boum! Utiliser Prime Gaming. Ils sont revenus à Prime, partout. Je crois, hein. Les robots les ont eu par surprise, on dirait. Personne ne s'attendait à ce que des robots tellement soient aussi agressifs. Bah forcément. Tellement d'ennemis. Je me serais fait avoir aussi. Ce sont ces robots qui ont mis le pays sur pied après les ravages de la peste brune. Du coup, 10 ans plus tard, tout le monde les croit fiables. C'est mathématique. Quelle tragédie, quand même. Merci pour le Prime. Eh mais ça jazz ici, hein. Merci pour le Prime, voilà, ça a réveillé le Prime, merci beaucoup. Merci beaucoup, Darotrom. Voilà, il y a des petits Primes, je veux qu'ils dorment. Merci beaucoup. Bonjour camarades, bienvenue à bord du Vortex. Merci beaucoup. Un train à grande vitesse unique en son genre qui fait la fierté du site 3826. Merci Helios. Ah Helios TV, incroyable, j'espère que tu vas bien. Merci le petit Helios TV. J'espère que tu vas bien depuis samedi. Non pas samedi, c'était en semaine. Jeudi. Streamer bien sûr, Helios TV, n'hésitez pas à checker. Bonjour camarade, bienvenue au bord du Vortex. Il faut que j'aille... Il faut que j'aille au VDNH et FISA. Merci Bouen, merci pour le 17ème mois. Et programmation, y a pas la programmation cette semaine. Non, je l'ai pas faite. Je vais la mettre sur la... Je vais la faire par la modération pour qu'on le mette au moins dans l'onglet programmation ici. Mais en gros, on joue aujourd'hui, on joue demain. Il y aura pas de live jeudi et vendredi. Jeudi et vendredi, pas de live parce que on fait des petits travaux dans le studio.
Si tout va bien, on peut enfin commencer à faire des petits travaux dans le studio. Ouais, ouais. Allez, on se tire d'ici. Incroyable, live pour la signature. Merci beaucoup, Lyus, c'est adorable. Merci à toi. Désolé, stream bricolage. Bah non, on a pas fait un petit stream bricolage. Monter jusqu'au quai du train. Bonjour. T'es juste pas avoir perdu. La sécurité des passagers est la priorité numéro 1 de tout véhicule robotisé. Nos algorithmes... Ouais, le chauffage. Des algorithmes. Charles, y aurait pas une capsule de neuropolymère contenant le manuel du train ici ? Avec ça, vous pourriez conduire le Vortex, non ? Malheureusement, ce n'est pas une gare de transit. On ne trouvera aucun manuel ici. Ah, bordel. Let's go. Super, let's go. Enfin, si vous avez acheté un billet... Oh, il nous gonfle, lui. Un billet ? Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Il y a des cadavres partout, et ils ont déclenché le protocole d'urgence sur tout le site. Allez, démarre-moi ce train, et plus vite que ça. Les transports gratuits sont réservés aux femmes enceintes et aux personnes handicapées. Faut qu'on aille acheter un ticket, le lourd. Je ne détecte aucun signe de grossesse chez vous. Le lourd. Merci beaucoup, Lucas, merci pour le 22e mois. Mais le lourd, là, il sait très bien qu'on n'est pas enceinte. Je vous des signes de grossesse, saloperie. Si vous souffrez d'un handicap mental, avez-vous votre certificat d'invalidité? Ça y est, tu m'as saoulé, là. Camarade Major. Je vous rappelle que ce Rafik n'est pas un robot autonome. C'est le système principal du Vortex. Si vous le détruisez, le train ne sera plus bon à rien. C'est bon. Écoute-moi, foutu tas de ferraille. Où on peut l'acheter, ton billet de merde? Mais au guichet le plus proche, bien entendu. Il y a des tarifs spéciaux disponibles pour les voyageurs accompagnés d'enfants. Trop chiant. Aucune adaptation à l'urgence. Ils sont fermés. C'est quand même dangereux, là. On peut mourir, quoi. Plus personne vend de billets. D'après la loi... Les transports gratuits sont réservés aux femmes enceintes et aux handicapés. Il est insupportable. Assume, je vais finir par me taper la route à pied jusqu'au VDNH. Ok, on se tire. Ouais, ouais. Allez, on se tire d'ici. Donc on a acheté des billets. Mais c'est insupportable. Ah, et là, je suis censé faire quoi? En vrai, je pense que pas mal de gens d'administration, en cas d'urgence, réagiraient comme ça. Mais madame, putain, le pays à feu à sang. Vous avez le Serfa 422? Le Serfa 422, vous l'avez? Bah non, mais c'est urgent là, madame, il faut qu'on aille vite là. Non, mais si vous avez pas le Serfa 422, moi je peux rien faire. Hein, je suis bloqué, hein, je pourrais pas vous aider malheureusement. Hein. Bon, il me faut un billet. Un billet? Mais vous êtes dingue, mon sang! Il y a des robots décraqués dans tout le site! Ah oui, mais bon, on n'a pas le choix. Ils veulent me tuer! Pourquoi l'accent du sud? Je sais pas, je trouve qu'il va bien l'accent du sud. Désolé, camarade, on peut plus rien faire pour vous. Désolé, camarade, on peut plus rien faire pour vous. Collègue, sauvez! Je sais pas, je mets l'accent du sud Goltak. Excusez-moi, en vrai. Excusez-moi, camarade. Vous auriez pas un billet de train? Doit partir. Ramenki. Urgence. Ah. Quoi? Gros problème. Gens qui meurent. Élimination normale. Soleil. Connard. Oula. Oh putain, je perds mon temps, là. C'est ça. Collègue. Oula. Excusez-moi, je reviendrai plus tard. Il a pas le billet. J'imagine que le billet, c'est ce qu'il y a de plus loin. Ok, c'est le truc le plus lointain là-bas. Eh bah super. Eh bah top, on se fait insulter de connard. Bah super. Ah top. Hein. Tac, il doit être là. Ah mais non, mais on est déjà arrivé. On est déjà allé par là tout à l'heure. Mais oui, on est passé par l'arrière. Ah mais c'est pour ça. Mais oui, mais oui, mais oui, très bien. Je peux pas passer par ici. Attendez, il faut que je fasse le tour de la maison. Ah mais c'est la maison par laquelle on est passé par le avec le fluide là. Déjà. On aurait presque pu choper le billet. On aurait pu speedrun en prenant le billet direct. On aurait été très très chaud.
On aurait été tellement chaud à prendre le billet tout de suite là. Quel dommage. C'était lui alors. Je peux avoir votre billet de train, camarade? C'est une urgence. Vous êtes vivant? Alors fuyez! Vous pouvez encore vous en sortir! Impossible. Je suis le type censé nettoyer tout ce chantier. C'est exactement ce qu'on s'est dit quand ils ont déclenché la... Bon, allez, c'est pas tout ça. Je peux avoir votre billet d'argent. Vous êtes vivant? J'imagine que votre billet n'est pas valable. Donc, j'imagine que votre billet n'est plus valable. J'ai un abonnement mensuel. Ça fait déjà un mois. Je suis là depuis combien de temps? Ça fait pas encore un mois. Je peux vous emprunter votre carte, camarade? Vous n'en avez plus besoin, et le Rafik du train est un vrai casse-couille. Vous avez croisé un Rafik? Ne vous en approchez surtout pas! Il tue tous ceux qu'ils font! J'ai vu ça, rien de lui parler, j'ai envie de me suicider. Bon, et cet abonnement alors? J'ai vu ça, rien que de lui parler, j'ai eu envie de me suicider. Bon, et cet abonnement alors? Ouais, ben quoi? Ah, donne-le quoi! Vous en avez un ou pas? Oui, prenez-le. Il est dans ma poche. Je ne peux pas l'atteindre. Ça marche. Merci, camarade. Et ne parlez pas aux Rafik. Ils sont dangereux. Ok, nice l'abonnement. La petite carte RATP, le petit pass Navigo. Hop les... Le petit pass Navigo, là. Bonne course, Mickey, à faire les courses. Et là, il faut qu'on aille trouver un autre truc là-bas. Ah non, c'est bon, c'est le... C'est là. C'est bon, ça nous renvoie vers le train. Maintenant qu'on a cette carte. C'est en tout cas les playlists soviétiques. Waouh ! Oh, le chassé ! Encore une fois. C'est quel joueur de foot qui mettait des chassés comme ça des fois ? Ah, il arrive, il te fait un saut carpé là, bam! Dans ta gueule! Allez, montez dans le train, let's go! Cantona, mais oui, c'est Cantona, il nous fait une canto. Cantona, il faisait ça. Dimeco, ah oui, Dimeco, il faisait des vrais coups comme ça. Bonjour, camarade! Dimeco. Bienvenue à bord du Vortex, un train à grande vitesse unique en son genre. Allez! Oui, il faut que j'aille. Allez, fis ça! Mais avec plaisir, camarade. Vous pouvez partir. On y va. Et ce billet-là, ça va? Tu vas me laisser partir maintenant, connard? Waouh, connard! Ne pas m'avoir dit que vous aviez un billet, camarade. Ça permet de faire partir le train plus vite. Parce qu'avant, je l'avais pas, voilà pourquoi. Quoi? Ce n'est pas votre billet? Mais non. Voyager avec le billet de quelqu'un d'autre est indigne d'un citoyen soviétique. Insupportable. Je peux répéter pour voir? Ne vous en faites pas. J'ai analysé la situation. Trop et chiant, en ai tiré la conclusion que vous êtes un officier de sécurité enquêtant sur une affaire urgente. Il va de soi qu'au vu des circonstances, vous êtes parfaitement autorisé à voyager de façon gratuite. Non mais, sérieusement? Installez-vous où bon vous semble. Il casse les couilles. Ce train partira dans 10 secondes. Oh l'analyse, wow, insupportable. Faites-le taire. Le train va partir. Prochain arrêt, gare de... Nique ta mère. Charles, la mort de Sakharov ne m'a pas semblé louche pourtant. Qu'est-ce j'en peux plus de lui là. On a déjà parlé. Il y a trop de questions qui restent sans réponse. Eh, hey, il faut que je tire cette affaire au clair. Cette Chenov, c'est ma seule famille, ok? Je comprends, camarade major. Ah non, se casse. Tirer quelle affaire au clair, j'arrive juste pas à imaginer cette Chenov buter son meilleur pote. C'est n'importe quoi. Enfin, pourquoi il ferait ça? Oui, pourquoi? Sakharov l'avait peut-être trahi, allez savoir. Comme ses autres collègues, le Dova, par exemple. Petrov était tout pour Filatova. C'est une femme amoureuse. Elle avait pas les autres clairs. Bordel, c'est quoi ce truc? Wow, 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 wow! Oh, putain, oh non! Oh la dingue! Accrochez-vous! Non, mais sérieux, quoi? On peut pas juste aller en train tranquillement, on peut pas juste avoir un moment de repos, quoi. On peut pas être juste au calme.
Il faut forcément que ça pète à un moment donné. Stock. C'est qui lui? Pas le moment de pioncer. Bougez-vous. Ah, c'est Stockhausen. Accouché. C'est l'allemand. Qu'est-ce qu'a dit cette Chenov? Ok, ok. Calmez-vous. C'est comme si. Ok, ok. Le camarade Molotov est en route pour venir. Laissez ici. Laissez la tête. Ok. Le camarade Sechenov veut que vous alliez là-bas au plus vite pour lancer la procédure d'urgence. Compris? Mais pourquoi faire? Bon, d'accord. Quoi d'autre? Oui. Le camarade Sechenov m'a demandé de vous donner ça. D'accord. Ça pourrait Agent servir. Jean P3, vous êtes un soldat. Votre boulot est de me protéger. Qu'est-ce que vous faites? Alors protégez-moi! Hein? Attendez, vous allez où là? Espèce de saloperie! Waouh! Waouh! Oh, il a un bouclier, comment je fais? Il a un bouclier, le bougre! Oh la vache! Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Attendez. Oh, mais comment je fais? Je vais taper. Comment je fais? Ouah, comment je fais? J'ai mis ça, c'est ce que je voulais faire. C'est une bulle de protection de ouf qu'il a là. Il faut lui bourriner le. Putain, il a un matraque télescopique. Voilà. Il avait une sorte de matraque télescopique, le bougu. On se croirait à Moscou. C'est mieux. Plus futuriste et plus grand aussi. Site de test. Bon, en même temps, c'est mon idée. Comment ça? Pardon. Disons que c'est la représentation exacte des idées que je préfère. Mmh. Le site 3826 abrite de nombreux sites de tests secrets dans lesquels vous pouvez trouver toutes sortes de plans vous permettant d'améliorer votre arsenal. Les entrées des sites de tests sont indiquées par un point d'interrogation sur la carte. La borne de réparation Nora peut également nous indiquer l'emplacement approximatif du site de test, probablement sur le plan que vous cherchez. Sélectionnez l'amélioration qui vous intéresse et appuyez sur M pour ouvrir la carte qui affichera l'emplacement approximatif du site de test concernant cette amélioration. J'ai rien compris. La borne d'amélioration Nora peut également vous indiquer l'emplacement approximatif du site de test proposant le plan que vous cherchez. D'accord? Sélectionnez l'amélioration qui vous intéresse en appuyant sur M pour ouvrir la carte qui affiche l'emplacement. D'accord. Merci beaucoup, Winston. Merci pour le 18e mois, Winston. Merci beaucoup. C'est pour l'immersion du goupil, d'accord. PM, chargeur d'extension, d'accord. Très bien. Atteindre l'exposition, d'accord, faut aller là-bas. On part par où? On s'en va où? Il faut sauter. On doit y... je dois sauter. Je saute. Je vais sauter. Oh putain, non, je veux pas y aller, pardon. C'était une vanne. C'est une vanne. C'est une vanne. Il a failli faire une dinguerie. Ok. On aurait pas été bien. C'est vraiment, on dirait le logo un peu Gaumont, mais soviétique. Gaumont. Ah mais oui. Ah, j'avais dit que j'allais sauter, hein. Je vous l'ai dit.
Oh non, pas encore cette saloperie de borne. Je vous ai dit que j'allais sauter, je l'avais dit. Sans blague. Accès autorisé. J'ai besoin de flingues, plein. Bon, j'ai assez de matos, non, là, pour me faire des trucs. Je suis à quasiment... J'ai quasiment tout ce qu'il faut pour me faire la... Le Dominator. Et j'ai pas le plan de la Kalachnikov encore. Je peux essayer de faire... Je peux essayer de me faire une goupille déjà. On peut essayer de te faire ça. On peut essayer déjà de se faire ça. Waouh, une nouvelle arme pour changer un peu. Ah, c'est plus rapide que l'autre, mais est-ce que ça fait autant de dégâts? C'est un peu la question que je me pose. C'est un abus, ok. Du coup, est-ce que je peux l'améliorer? Je vais voir si je peux améliorer aussi mes compétences. Merci de sélectionner la procédure. Pour améliorer Charles, est-ce que je peux... Est-ce que j'ai de quoi faire? J'ai 157. Oui, on peut faire des trucs, là. Personnage, attendez. Qu'est-ce que je peux améliorer ici? Balle de soumission, plus grande capacité. Tout major des Incendants doit pouvoir courir un marathon. Vitesse de course plus rapide, d'accord. Elec. Dysfonctionnement de résistance. Les cibles électrifiées subissent des dégâts plus importants. Ah, ça, c'est bien ça. Accélération neuropolymère. Amélioration des gants permettant d'accélérer le chargement de modules Elec. Les attaques répétées entraînent un effet électrification supplémentaire en y mettant une pièce des ennemis polymérise. Ayant peu de PV, ok. Projection polymère. Énergie du personnage. Recyclage, la santé perdue est recyclée en énergie. Ok. Votre gant peut vous entourer d'un bouclier de neuropolymère qui vous protège des dégâts au corps à corps. C'est bien ça. Ça, je peux mettre ça. Je peux mettre dans E en vrai. Surcharge des installations. Déployer le bouclier au maximum de ses capacités pour ensuite le vider totalement, le fait exploser, ce qui projette des polymères de combat sur l'ennemi. Capacité rechargeable. Ok. Second souffle, votre entraînement physique vous permet de sprint un sprint supplémentaire. Puis il y a photon, projection de combinaison contre les attaques accrues. Protection de la combinaison contre les attaques laser accrues, ouais. On va monter en santé maximum. Ah, ok. Module adapté amplifié. Amélioration du module électromagnétique qui augmente la distance effective. Ah, ça c'est bien ça. Mettre un peu plus de place. Faut que je me heal, hein. Bouclier polymère, protégé contre les attaques ennemies et contre-attaquer instantanément. Ok. Sauvegarde en cours. Voilà, petite sauvegarde. Un peu de heal. Est-ce que je peux me crafter un peu de heal aussi, ça vous avez raison. Autorisation. Je vais me crafter un peu de heal. Stockage. Pour l'instant, j'ai plein de balles de PM, mais j'ai pas de PM. C'est ça qui rend fou. C'est que j'ai pas de PM, en fait. C'est ça qui me rend dingue. Il me manque... ouais, ça, quoi. Il manque que ça, quoi. J'ai oublié dans le premier niveau. De quoi tu parles, The Real Willou?
Le flingue. Ah ouais ? Ah, j'aurais pu le prendre dans le premier niveau ? Merci de sélectionner. Ah, je peux la décraft, elle est pas ouf. Mais non. Ah ouais, elle est pas ouf. Ah, ça me rend triste ce que vous me dites là. Ah, celle-là, tu veux dire ? Dégâts. Mais est-ce que l'autre fait plus de dégâts ? Est-ce que je peux avoir des infos sur le... Oh, c'est la première arme du jeu quoi, c'est vrai qu'elle fait peu de dégâts. Et on a de quoi... Est-ce que je peux me faire un petit Du coup, je peux me faire le pistolet, du coup. Ah non, excuse-moi, j'ai mis clic. S'il vous plaît, j'aimerais... Je veux récupérer le pistolet, s'il vous plaît. Je peux pas... Putain, le pistolet, il est où? Merde! Barrez-vous! Merde. S'il vous plaît, rendez-moi le pistolet, je l'ai grafté, s'il vous plaît. S'il vous plaît, rendez-moi le pistolet, voilà, merci. Le pistolet, il est là, voilà. Ah voilà, il est là, c'est bon. Ouais, je l'avais pas, sinon. Merci. Oh, excusez-moi, j'en avais mis partout. Accès autorisé. Excusez-moi, j'en avais vraiment mis partout. Ah, j'ai 137 balles de PM quand même. Hein. Donc c'est un pistolet semi. C'est vraiment un. Ok. Maintenant on a. Voilà, on a des. Ça devrait être mieux déjà. Je pense que je fais plus de dégâts déjà avec ça, regardez. La statue de Lénine. C'est le mauvais DNH de Moscou. Sauf que celle-ci a été érigée par des robots et non des ouvriers ordinaires. D'après les croquis d'un sculpteur, cette nouvelle approche est très en vogue. Ouais, je sais pas si elle fait plus de dégâts, mais en tout cas elle est plus rapide déjà, donc c'est déjà mieux. Le gars a démissionné. Ouais, on m'a dit. La musique du jeu qu'on entend... Putain, j'ai 140 balles, ça va me changer la vie, je vous le dis. Hein. En plus j'ai une aim. Maman. Eh, appelez-moi Kenyès en fait. Hein. C'est encore fermé. Charles, ouvrez-moi ça. Malheureusement, je... n'ai pas la capacité d'ouvrir des portes. Votre disque est rayé, on dirait. Bon, ça va, je m'en occupe. Regardez, boum, boum. C'est vraiment... C'est pour apprendre le... s'améliorer en shooting. Oh là là, mais je parle vraiment comme un quarantenaire qui veut parler. Ça game les jeunes ce soir ou pas? Tu game quoi en ce moment? Oh là là. Non, pour s'améliorer sur le shoot, c'est pas mal. Son aim. Tu game quoi là en ce moment? Putain, on m'a déjà dit ça. Bah là, je game... en ce moment Atomic Heart quoi. Ouais, tu gagnes, ouais. Le calendrier destination 2024 est sorti, France-Irlande en ouverture et France-Angleterre en fermeture. Ouais, je le savais, j'avais eu les infos par la Fédé. Bah, excusez-moi, je me permets de flex, hein. Oui, j'avais eu les infos, ouais. Ouais, je le savais, ouais. Vous me prenez rien. Ah, vous allez me foutre la paix, oui. Merci beaucoup, oui, merci pour le prime. Ouais, vous me prenez rien, pour le coup, je vous le dis. Je le savais. Waouh. Faut combien de balles pour le tuer, lui?
mais je pouvais pas trop vous le dire parce que j'avais l'info un peu en avance, ouais. Phrase de connard. Est-ce que je peux marquer une zone Il y a un petit délire open world hein, quand même en vrai. Hein. Je vais plutôt aller derrière là. Amélioration du goupil. Peut-être un avis sur le calendrier. Bah le fait qu'on commence par l'Irlande, on commence par le dur direct quoi. En même temps c'est bien parce que ça faisait 2-3 saisons qu'on commençait par l'Italie. Du coup je suis en mode bon, sympa l'Italie mais bon... On aurait bien commencé par du lourd direct quoi. Oh, je l'avais pas vu venir lui. Les astrologues avaient prédit la semaine du cœur de l'atome. Le nombre d'ennemis a doublé. Je me suis fait capter là. Bon, c'est chaud. Ouais, j'ai un plus grand chargeur, ce serait cool ça. Ouais, ouais, ils sont beaucoup. Je rate des balles. On a un peu mon goupil quand même. Voilà. Attendez. Ah non, les Anglais, c'est pas mal. Oh mais c'est relou ça. Je me casse par là-bas là. Ouais, ta gueule. Ta gueule. Ouais, j'économise plus de balles en utilisant mon électricité en plus des balles. Ça va être pratique ça. Ouais, je me cache ici et je m'ouvre la carte. Ah, c'est vraiment ici quoi le police. C'est ici qu'il y a le. C'est vraiment ici que je peux rentrer. C'est vraiment ici que je peux rentrer pour. Un crash, tiens. Oh non, j'ai eu un crash. Putain, c'est le premier crash que j'ai sur le jeu. D'un point de vue en jeu, l'affluence, c'est bien. Ouais, après, bah, c'est cool de commencer par l'Irlande, moi, je trouve, en vrai. Pour commencer ton de bonne manière ton... Mais après, c'est sûr que tu rentres dans le dur direct, quoi, face à l'Irlande. Oh, on a eu un petit crash. Bah écoutez, alors, du coup, ça me permet de dire qu'on va finir là-dessus pour sur YouTube. YouTube, fin de la VOD ici. Merci beaucoup YouTube. On se retrouve demain, je pense, pour la prochaine VOD. Et pour les gens qui sont sur le live, c'est tout de suite. Donc, on va dire au revoir YouTube. Au revoir, YouTube. On part sur un crash, mais bon, voilà, au moins, ça coupe un peu, ça chapitre. Et puis, voilà, vous pouvez faire des bisous YouTube. Bisous YouTube. À demain YouTube. Bisous. Ciao, ciao, ciao YouTube. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao YouTube. Ciao, 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 ciao. Je pense que la VOD